avec Sunan, ses cadeaux et ses bonbons, bien sûr. Mais savez-vous d'où il vient? Non? Alors, si vous voulez le découvrir, ouvrez grand vos yeux et écoutez la légende de Saint-Nicolas. Mais Nicolas les aida et on raconte qu'il jeta par la cheminée une pluie de pièces d'or. Aujourd'hui, on l'appelle Saint-Nicolas. Et tous les ans, le 6 décembre, les enfants attendent sa venue avec impatience. Et oui, Saint-Nicolas est désormais le patron des enfants, des orphelins et des écoliers, mais également des voyageurs, des marins, des avocats et des pâtissiers. On fête Saint-Nicolas en Lorraine, en Alsace, dans le nord de la France et aussi dans beaucoup d'autres pays, comme aux Pays-Bas, où Saint-Nicolas se déplace sur un magnifique cheval blanc.
Je suis le grand Saint-Nicolas et le saint des temps d'autrefois. Les petits se lèvent tous les trois. Le premier dit j'ai bien dormi. Le second dit et moi aussi. Et le troisième m'a répondu je me croyais en paradis. On était sages et obéissants. N'oubliez pas de mettre une carotte et un morceau de sucre devant votre porte. Sinon, l'âne serait très déçu. Et l'année prochaine, il risquerait de ne pas guider Saint-Nicolas jusque chez vous. Mais attention, pour ceux qui n'ont pas été gentils, c'est le terrible Père Fouettard qui distribue les coups de martinet. Prenez garde! Maintenant que vous connaissez bien Saint-Nicolas, n'oubliez pas, petits et grands, que tous les ans, Saint-Nicolas sur son âne viendra peut-être vous récompenser pour avoir été très sage et très obéissant. Vous aussi les parents, n'oubliez pas que vous êtes des grands enfants. Comment ? Vous n'y croyez pas ? Alors levez les yeux et regardez vers le ciel. Là, cette étoile la plus brillante de toutes, c'est celle de Saint-Nicolas. Et les autres étoiles, ce sont les vôtres. Et celles de tous les enfants que protège Saint-Nicolas. Regardez comme elles illuminent le ciel.